So Nina, is it okay for you to show the Mathieu Ricard's video? Yeah. Yes, I'll do so. Okay. So donc on entre dans un deuxième moment pour cette journée. Après donc le temps de Francisco à Cerisy et autour de la question du vivant, de l'autopoïèse, de l'autonomie. On entre dans une deuxième phase qui, en fait, n'est pas successive dans le temps, chronologique, hein, mais qui est juste thématique différemment, autour donc de la méditation, du rapport de Francisco à la méditation et au bouddhisme. Et donc, pour commencer, comme vous l'avez vu sur le programme, nous allons passer une vidéo où Mathieu Ricard raconte un peu sa rencontre avec Francisco et la découverte, enfin ses liens avec lui, etc. Je laisse Nina montrer la vidéo. Pour en rendre hommage à tous ces travaux fondateurs dans le domaine de la neurophénoménologie, de tout ce qui a fait ça, qui a permis son vaste et précieux héritage scientifique. De mon côté, j'ai aussi été donc au premier rang pour constater à quel point son engagement spirituel était profond. C'était quelque chose dont, lorsqu'il en parlait, il était extrêmement éloquent, comme dans le documentaire sur sa vie, où il décrit la façon de reposer dans la présence éveillée, la nature ultime de l'esprit, avec des mots qui sont du niveau de ce que les plus grands maîtres spirituels pourraient dire, qui est à la fois réconfortant et inspirant. Je sais à quel point il accordait une importance à cette pratique dans sa vie, et comment dans des moments cruciaux de son existence, cet aspect-là est bien sûr venu à la surface depuis les profondeurs de son être. Il m'avait raconté notamment comment, lorsqu'il s'est réveillé de l'anesthésie de l'une de ses pénibles et longues opérations pour la transplantation du foie, dès les premiers instants de conscience ont été entièrement remplis de la présence de son maître spirituel. Et on peut dire que ces moments-là sont révélateurs de ce qui finalement est au plus profond de nous, ce qui compte le plus. Ceci dit, Francisco était loin d'être un fantaisiste. Tous ceux qui l'ont connu peuvent en témoigner. Il était d'une rigueur impitoyable pour toutes les divagations intellectuelles et les théories fumeuses. Et donc, la profondeur de sa vie contemplative n'a en aucune façon diminué son goût pour une investigation scientifique de la conscience, des sciences cognitives, avec une force et une rigueur, et une pénétration aussi sans faille. Il n'hésitait pas à dire ses pensées. Je me souviens d'une occasion au cours de laquelle nous attendions tous les deux l'arrivée de Sa Sainteté Dalai Lama à Paris, dans le lobby de l'hôtel où il devait loger. Et je disais à Francisco que j'avais entrepris un dialogue avec mon ami Trinh Quang Thuan, le physicien et cosmologiste, qui souhaitait, en tant que physicien né bouddhiste, mais ne connaissant pas complètement sa tradition, approfondir certaines questions sur la nature de la réalité, de l'interdépendance, de la non-localité, la nature non-locale de la réalité, de l'idée d'une cause première, etc., avec un moine bouddhiste. Donc j'avais rencontré Trinh Quang Thuan à l'université d'été d'Andorre et nous avions décidé de faire ce dialogue. Donc j'en parlais à Francisco qui me dit sans ménagement, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, pourquoi? Parce que quel que soit l'intérêt intellectuel de ce dialogue, et le Dalai Lama au sein de l'Institut Mind and Life a bien sûr fait de nombreux dialogues sur la physique quantique, sur la philosophie de la physique quantique, les implications de la physique quantique sur notre perception de la réalité. Il dit qu'il a été un très mauvais élève d'un des grands maîtres de la physique
quantique. Et des personnes comme Anton Zeilinger sont venues assister au Mind and Life, donc certains des scientifiques de plus haut niveau, notre ami Michel Bitbol aussi, a apporté l'éclairage philosophique à tout cela sur la nature de la réalité. Mais Francisco me disait, jamais tu ne vas aller au CERN pour suggérer un protocole expérimental en physique, ce qui est évidemment tout à fait vrai. Par contre, me dit-il, si tu consacres le temps que tu as à consacrer à cette interaction, collaboration entre la vie contemplative ou le bouddhisme et la science, si tu vas dans des laboratoires de neurosciences, alors là, il y a des choses à faire. Il y a une collaboration qui peut être extrêmement fructueuse, qui peut faire avancer nos connaissances et apporter une contribution importante à la société. Donc j'ai été un peu évidemment décontenancé, mais il avait tout à fait raison. Et c'est donc à son invitation que la première fois que je suis rentré dans une de ces étranges machines fut donc au labo du CREA, à la Salpêtrière, où voilà, nous avons fait quelques essais préliminaires et Francisco était tout à fait enthousiaste à l'idée de cette collaboration. Elle s'est cristallisée lors d'une rencontre qui a été un point crucial dans l'évolution des rencontres Mind and Life, qui donc ont été fondées par, comme vous le savez, par Francisco et Adam Engel, un avocat américain, il y a plus de 35 ans, pour faciliter au départ les rencontres entre le Dalai Lama, qui était très intéressé et curieux de la science, avec les meilleurs scientifiques du moment, pour qu'il y ait en quelque sorte les meilleurs professeurs. Mais très vite, il s'est avéré que ce n'était pas seulement le Dalai Lama écoutant les grands scientifiques, mais qu'il avait un esprit extrêmement inquisiteur, qu'il posait les questions parfaites qui étaient justement celles que parfois certains de ces scientifiques se posaient eux-mêmes dans leurs recherches, et que les scientifiques en ressortaient éminemment enrichis. Nombre de fois, à la fin de ces rencontres Mandela, je parlais avec des scientifiques qui étaient venus un peu comme ça en disant « je ne sais pas trop ce que je vais trouver là » et qui revenaient incroyablement enrichis. Notre ami Paul Ekman, le grand spécialiste des expressions faciales, des émotions, qui est venu un peu, à la sollicitation de sa fille Eve à la rencontre de l'an 2000, parce qu'elle voulait tellement rencontrer le Dalai Lama. Au bout de 5 jours, il a dit « voilà, je vais devoir maintenant réécrire plusieurs chapitres de mon livre « Emotions Revealed », qui était évidemment l'expression en littérature, disons, au grand public, de toute une 30 ans de recherche. Et il est devenu extrêmement proche du Dalai Lama, il a fait un dialogue avec lui, etc. Donc il y a eu les rencontres Mind and Life qui donc sont nées grâce à Francisco, ont eu un effet catalyseur et un impact extrêmement puissant sur nombre de scientifiques de très haut niveau. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait fondamental. Donc, j'ai commencé donc ma vie de cobaye ambulant grâce à Francisco. Depuis ensuite, Antoine Lutz, notre cher ami disciple de Francisco, est allé chez Richard Davidson pendant un certain nombre d'années. Et c'est à la suite de cette rencontre de l'an 2000 sur les émotions destructrices, j'y suis allé moi-même en tant que cobaye et collaborateur, paraît-il. Ce qui s'est passé dans cette rencontre, qui était vraiment au cœur des préoccupations de Francisco, c'était qu'au milieu de la semaine de discussion, ce qui dure typiquement 5 jours, le Dalai Lama a dit un matin, tout ça c'est très joli, tout ce dont nous discutons, mais comment pouvons-nous contribuer à la société de manière utile ? Donc à l'heure du déjeuner, il y a toujours des brainstorming où les participants se retrouvaient pour discuter des programmes de l'après-midi, des enseignements ceux-ci matin. Et c'est là qu'est née l'idée de proposer un programme de recherche enfin sérieux sur la méditation où seraient rassemblés les meilleurs scientifiques dans leur domaine et puis des méditants expérimentés, c'est-à-dire qui avaient fait entre 10 et 50 000 heures de méditation. L'idée étant, d'après Francisco, que si on pouvait déceler des différences au niveau fonctionnel et structurel dans le cerveau, on allait les trouver chez ces personnes-là, et que si on ne les trouvait pas chez ces personnes-là, ce n'était pas la peine de s'inquiéter de la façon dont fonctionne le cerveau
de personnes qui ont fait 15 jours de méditation. Et après, on pourrait voir comment ils en sont arrivés là, etc., etc. Donc, bien imprudemment, ayant un passé scientifique à l'Institut Pasteur, je me suis proposé comme volontaire. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Ça a passé plus d'une centaine d'heures dans des IRM, etc., etc. Recevoir des décharges électriques, des chaleurs à 50 degrés sur le poignet, des stimulations transmagnétiques crâniennes, des produits radioactifs, j'ai eu toute la dose. Et voilà, j'ai quand même survécu, bien heureusement. Donc je me suis retrouvé effectivement au laboratoire de Francesco, de Richard Davidson, j'ai visité celui de Paul Ekman, on a fait toutes sortes de recherches. Et à la suite de ça, le Dalai Lama est venu à Madison et les scientifiques, principalement Richard Davidson et Paul Ekman et quelques autres, voulaient lui présenter les résultats de ses premières recherches préliminaires. Francisco était alors très malade et il ne pouvait pas entreprendre le voyage aux États-Unis, mais on a pu réussir, à l'époque c'était encore un exploit technique, à établir un lien visuel à travers une caméra entre Francisco, qui était donc chez lui, presque en fin de vie, dans une situation très difficile, pour qu'il puisse suivre ce débat en direct. Et c'était très, très émouvant, parce qu'à un moment donné, le Dalai Lama a demandé, parce qu'il y avait plusieurs caméras, où est la caméra qui va chez Francisco? Et là, il a délivré un message très, très émouvant à Francisco de soutien, de manifestant tout son amour, sa tendresse, et à quel point il l'appréciait en tant qu'être humain. Et évidemment, nous étions tous en larmes. Après cela, peu après, je suis repassé par la France et j'ai vu Francisco chez lui. Et il m'a dit que c'était un peu un rêve qui trouvait sa réalité. Il avait toujours espéré qu'il pouvait y avoir une telle collaboration qui porterait ses fruits, qui montrait que oui, effectivement, l'entraînement de l'esprit, c'est pas simplement se sentir bien dans un ermitage et quand tout va bien, être assis, être un bon méditant, ce qu'on a le ventre plein, assis au soleil, mais qu'il y avait des véritables changements pour devenir un meilleur être humain et que par l'interdépendance de toutes choses, quelle que soit la nature ultime de la conscience, on sait très bien que les aspects, en tout cas grossiers de la conscience, interagissent étroitement avec le fonctionnement du cerveau, sans aller plus loin dans cette discussion, que Francisco d'ailleurs souhaitait qu'on la laisse ouverte, qu'il y avait tellement encore à explorer dans ce domaine. Toujours est-il qu'il disait que maintenant, de voir que cette recherche prenait un tour extrêmement sérieux, c'était un accomplissement de quelque chose qu'il avait tant souhaité toute sa vie. Et donc c'était une belle chose que de pouvoir faire ce cadeau à Francisco dans les presque derniers jours de sa vie. Nous avons eu aussi des conversations intimes. Ce n'est pas une indiscrétion de dire, parce que c'est quelque chose qui est très inspirant et instructif. Francisco s'inquiétait notamment de pouvoir préserver cette présence éveillée, cette conscience claire jusqu'au moment de sa mort. Il craignait de sombrer dans une espèce de torpeur qui souvent arrive à l'approche de la mort, dû aux perturbations, bien sûr, du corps, de la souffrance, etc., peut-être des médicaments. Et donc, ce qu'il souhaitait, c'était mourir en parfaite lucidité, en restant en harmonie avec les enseignements profonds qu'il a reçus de son maître, Toko Orgyen. Nous avons discuté de cela, et ça a été un grand réconfort d'apprendre de son épouse, Amy, qu'effectivement, au moment de sa mort, il était assis en méditation, elle l'aidait, elle le soutenait physiquement aussi pour qu'il puisse rester assis, et que jusqu'au dernier moment, il a pu préserver cette conscience claire. Donc on voit la façon de mourir qui est aussi celle d'un grand méditant, une vie qui est celle d'un grand scientifique, une source d'inspiration qui a perduré tout au sein de nos vies, la vie des chercheurs, la vie d'un ami de longue date. Nous avions presque le même âge, donc quelle tristesse qu'il ne soit pas aujourd'hui encore parmi nous, bien sûr, mais il est présent dans nos cœurs. Vous savez comment le Dalai Lama lui-même le considère comme un de ses proches amis. Il est d'une... Je ne sais pas combien de personnes ont la bonne fortune d'avoir leur photo dans le livre de prière du Dalai Lama
qu'il consulte, qu'il feuillette tous les jours, et tous les jours, il voit donc le portrait de Francisco et pense à son cher ami. Pour moi, son héritage est aussi celui d'allier cette rigueur scientifique à celui d'une ouverture d'esprit immense. Lorsque nous discutions de ce, évidemment, ce problème clé, qui est le problème, peut-être on pourrait dire, du XXIe siècle concernant l'interaction entre les sciences cognitives, les neurosciences, la philosophie, la phénoménologie, la contemplation, qui est la nature ultime de la conscience. Francisco était persuadé que la conscience est un fait premier, que l'expérience directe est irremplaçable, qu'on ne peut pas sortir de la conscience pour l'étudier. Et en même temps, il était évidemment, il conduisait ses recherches sur la manifestation de la conscience, ou les, disons, au niveau des activités des différentes aires cérébrales, des facultés cognitives, avec la plus grande rigueur. Mais comme il le disait, lorsqu'on abordait les quelques domaines où, si certains témoignages se révélaient corrects, il faudrait peut-être revoir ce paradigme de la réduction de la conscience, disons, à un aspect purement comme une propriété particulière de la matière. Il disait, ben, gardons l'esprit ouvert à ce sujet, qui sait? Et c'est comme ça, effectivement, que les grandes découvertes et l'ouverture de nouveaux champs de connaissances ont pu se faire dans le passé, dans le domaine scientifique. Donc, une immense dette de gratitude, une profonde amitié, quelques souvenirs que je vous ai livrés en vrac et sans beaucoup d'ordre et d'organisation, mais vraiment de tout cœur, en ayant constamment présent devant moi l'image de Francisco, son sourire et aussi son souci de rigueur. Il ne laissait passer aucune improvisation un peu fumeuse. Et c'était donc, ça reste de ce point de vue-là, un mentor. Le goût de la rigueur scientifique est effectivement très important. C'est aussi ce que m'a donné François Jacob. Et c'est ce que j'essaie de garder dans tout ce que je peux faire. Donc un immense merci à cette grande amie, une figure qui, on le voit bien, reste très présente dans la communauté scientifique, dans les milieux bouddhistes. Mingyur Rinpoche lui-même dit que Francisco a été celui qui l'a initié à la science, qui l'a encouragé à s'intéresser à la science. Et on sait depuis que Mingyur Rinpoche a collaboré à Madison avec Richard Davidson et Antoine Lutz, à des expériences, à des investigations scientifiques, justement, sur la présence éveillée, sur la compassion inconditionnelle, et le soutien des grands contemplatifs tibétains aussi est très important pour nourrir cette collaboration et cette nouvelle branche qui est les neurosciences contemplatives, qui s'ajoute à la neurophénoménologie. Et donc voilà, une belle aventure pour sûr. À des moments très riches. Pour moi, ça a été, donc, comment pourrais-je dire, ma sangha, ma communauté vertueuse scientifique. J'en ai énormément reçu, un très grand enrichissement. Ça a été une très belle part de ma vie, tous ces 20 ans et quelques à collaborer, à courir d'un endroit à un autre. J'ai connu à peu près tous les IRM d'Europe et d'Amérique du Nord, pas tous, mais beaucoup. Et un esprit de découverte, c'est un peu on pourrait dire le Far West, la ruée vers l'or des neurosciences contemplatives, parce que tout était à découvrir. Et maintenant, on voit qu'il y a eu d'innombrables travaux dans beaucoup de laboratoires. Donc, j'ai été heureux, grâce à Francisco, de faire partie de cette belle aventure. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation dans ce colloque qui est visiblement très riche et bien. Et donc, voilà, désolé de ne pas être avec vous en personne, mais je crois que personne n'est avec personne autrement qu'au travers de ces étranges lucarnes. Donc, bonjour à tous et tous mes voeux de bonheur. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Voilà, difficile de continuer de prendre la parole après.
C'est un témoignage vibrant et en même temps tellement convivial et sympathique. Voilà, je pense qu'on n'en dira pas plus, à moins, Amy, que tu veuilles ajouter un mot. Juste un mot de remerciement encore à Mathieu, qui est très, très, très pris dans les traductions en ce moment, mais qui vient de m'écrire là en me disant de vous saluer tous de nouveau. Merci, superbe. Très bien. Bon, donc on va continuer notre petite pérégrination à travers les relations des uns et des autres et des partages concernant la méditation, le rapport au bouddhisme. Et donc, du coup, je vais proposer, je vais inviter Fabrice Midal, qui est là, à ouvrir son micro. Et puis, je te cède la parole, Fabrice. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Je suis content de passer après, parce que ça permet d'être dans la suite de l'expérience de la méditation. Je crois que ça, c'est très important. Alors, peut-être je vais raconter un peu comment moi, j'ai rencontré Francisco, puisque donc, moi, j'étais étudiant à la Sorbonne en philo. J'avais 20 ans. J'étais en train de lire un texte de Heidegger, Pensée méditante, pensée calculante, et puis il y a un copain qui m'a parlé de méditation. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais aller voir, et puis j'ai sonné à la porte d'un appartement. C'était en face de la salle Pleyel, et je sonne, et puis c'était un couple d'Américains qui, une fois par semaine, le mardi soir, proposait la méditation à ceux qui voulaient découvrir. À l'époque, le Dalai Lama n'avait pas encore le prix Nobel, et oui, je suis assez âgé. Et donc, on connaissait très peu la méditation. Puis, il y a quelqu'un qui m'a ouvert la porte. C'était Francisco Varela. Et puis, il m'a pris dans une petite pièce. Il m'a expliqué ce qu'était la méditation. Ça durait peut-être 10 minutes. Et puis après, on était dans la salle à manger, qui était transformée en salle de méditation dans ce couple d'Américains. Et on restait pratiquer 3 quarts d'heure en silence. Et ces 10 minutes ont changé ma vie. Il y avait chez Francisco, comme Mathieu l'a très bien rappelé, une conviction dans ce qu'est la méditation que je dois dire, j'ai jamais vu depuis. J'ai vu beaucoup de maîtres, j'ai étudié avec beaucoup de maîtres tibétains, j'ai étudié avec beaucoup de... Je connais plein de gens qui ont fait des retraites intenses et intenses, mais il y avait chez Francisco une conviction qui m'a complètement frappé, une conviction et une simplicité. Et alors moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais un peu... Et j'ai senti, pour la première fois de ma vie, que c'était absolument OK d'être comme j'étais. J'ai senti de sa présence, j'ai senti de la manière dont il présentait la méditation, que tous les problèmes qui pouvaient me traverser, dans l'espace de la méditation, c'était il n'y avait pas de problème. Il y avait cette conviction que la méditation était l'espace en lequel on peut se confier, qui est un espace qui nous dans lequel on peut se confier et qui nous porte, qui nous tient. Donc Francisco était très 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 engagé. Il enseignait beaucoup de week-ends de méditation. Alors, j'ai suivi énormément de week-ends. Il était très, très, très engagé. Il avait et il suivait très, avec beaucoup de finesse l'enseignement qu'il avait reçu de Francisco, de Shogam Trungpa. Alors, Nathalie m'a demandé de redire quelques mots sur son rapport avec Shogam Trungpa. C'est très intéressant. Il le raconte lui-même très, très souvent qu'il se retrouve à Boulder et il voit cet homme, ce Shogam Trungpa, qui était ce maître tibétain, qui est peut-être le premier maître tibétain à avoir cru dans que l'essentiel de ce qu'il avait à transmettre à l'Occident, ce n'était pas la religion bouddhiste, une doctrine bouddhiste, des rituels, mais la pratique de la méditation. Et Francisco a souvent dit, ce qui m'avait frappé, j'ai dit à Trungpa, mais cette présence qui est la vôtre, tellement légère,
prégnante, profonde, ouverte, solide, cet ancrage existentiel, je veux la même chose. Et Shogam Trungpa a éclaté de rire, a dit, mais ça, ce n'est pas un truc que j'ai comme ça, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, et ça s'acquiert par la méditation. Et ça, ça avait vraiment saisi Francisco, puis quand il était engagé dans quelque chose, il avait une intensité, et il s'était formé. Peut-être l'année prochaine, on parlera un peu de comment il s'était formé et ce qui s'était passé, mais il était assez fidèle à cette perspective dans l'enseignement qu'il avait, tout en ayant ce génie de ne jamais répéter quoi que ce soit, mais de toujours le questionner. C'est-à-dire, moi, je ne connaissais pas du tout son travail scientifique, puis ça ne m'intéressait pas beaucoup toutes ces années, mais ce qui m'intéressait, c'était la pratique de la méditation. Et par contre, ce que j'ai appris de lui, c'est ce regard de chaque fois qu'on posait quelque chose, qu'on disait quelque chose, et en gros qu'on avait tendance à répéter un truc, il nous tranchait en revenant à l'expérience. Et pour essayer d'entrer en présence, je réécoutais un des enseignements qu'il nous donnait hier soir pour aujourd'hui, et je me souviens, je suis tombé par hasard sur un enseignement qu'il avait donné sur la discipline et la joie. Alors, il explique que la discipline, ce n'est pas ce qu'on croit. La discipline, en général, c'est un truc qu'on s'impose pour arriver quelque part. Mais la discipline propre à la méditation, elle est liée à la joie parce que c'est la discipline de faire confiance à ce que l'on vit au moment où on le vit, là où on le vit. C'est vraiment considérer les choses avec une grande simplicité, à l'expérience donnée telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à chaque moment. Ça, c'est difficile d'arriver à transmettre ça parce que sa conviction, et moi aussi, il m'a beaucoup parlé de sa maladie, de ce qui se passait dans les différentes opérations. Et chaque fois, il revenait à son souci tellement radical de aucune doctrine, aucune théorie, aucune croyance, revenir à l'expérience telle qu'elle est, moment après moment. C'est ça qui montrait dans la radicalité de ce geste. Et donc, du coup, la méditation, vous voyez, ce n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une technique. La technique n'est là que pour pointer, que pour nous aider à être au cœur de ce qui est, de l'expérience telle qu'elle surgit moment après moment, ce que nous faisons très rarement parce qu'on est pris dans des peurs, dans des conceptions, dans plein d'autres choses. Alors, à l'époque, une des grands engagements de Francisco, c'était de sortir la méditation du flou religieux dans lequel elle était. Alors, aujourd'hui, on a un peu de mal à imaginer, mais contrairement à ce qu'on croit, dans les centres bouddhistes, on ne pratiquait pas vraiment, assez précisément dans les centres bouddhistes tibétains, on ne pratiquait pas vraiment très rigoureusement la méditation. On faisait des rituels. Je me souviens, j'étais dans un centre bouddhiste avec lui et les gens étaient étonnés qu'il nous faisait pratiquer plusieurs heures par jour. Les gens n'avaient pas cette approche-là. Et Francisco, qui avait reçu ça de Shogam Trungpa, avait une passion pour la précision infinie de compréhension de l'esprit que permet le savoir sur la méditation. Donc, c'est à la fois, il nous montrait à la fois cette confiance dans la présence, cette confiance dans l'expérience nue, dans laquelle se découvre une ouverture plus grande que celle, disons, de la subjectivité ordinaire, quelque chose de beaucoup plus ouvert, et en même temps, avec une sorte de précision infinie, description infinie de l'expérience, et qu'il avait nourri de son rapport avec Husserl, qui lui permettait de faire le pont entre la connaissance très fine qu'il avait des textes bouddhiques, de description de l'esprit, et ce que la phénoménologie lui permettait d'interrogation très fine sur la situation de ce qui se passe moment après moment.
il y avait des expressions qu'il nommait souvent dans sa manière de présenter la méditation. Peut-être il faut que juste, avant que je raconte, donc, je suivais beaucoup de séminaires avec lui, puis après je suis parti aux États-Unis, me former dans la perspective de Shogam Trungpa, et donc je suis parti faire un séminaire de 3 mois, à l'issue duquel on recevait des transmissions pour pratiquer des pratiques tantriques. Et là, mon lien avec Francisco s'est resserré après, puisque après, il était le seul à Paris qui pouvait m'aider à me guider dans ses pratiques. Donc, on se voyait là, non plus seulement j'écoutais ses enseignements au centre, mais je le voyais régulièrement et il me guidait dans le détail. Et puis, un des deuxièmes grands basculements de la vie de Francisco, donc le premier... Pour la méditation, c'était la rencontre avec Shogam Trungpa et cette rigueur de précision de la pratique. Et puis après, c'est sa rencontre avec Tulku Urgyen, dont parlait Mathieu, qui était sans doute un des plus grands maîtres qui entrait dans cette confiance sans limite de la qualité auto-émergente de la présence ouverte et j'aime pas dire éveillée, mais disons ouverte et vivante. Et donc, c'était vraiment une rencontre majeure. Et donc, il y avait vraiment ces deux pôles. Et puis, par la suite de mon chemin, j'ai eu la chance de recevoir ces pratiques qu'on appelle le Dzogchen plus tard aux États-Unis. Et ça nous a à nouveau rapprochés parce qu'on a commencé à lire ensemble les différents textes, ceux qu'il avait lui et ceux que j'avais moi. Et donc, ça a participé. Et puis, pour la petite histoire, qui est quand même une anecdote assez significative. Je voulais qu'il continue à enseigner, mais il avait pris un peu ses distances. Sa rencontre avec Tulku Urgyen et le fils de Shogam Trungpa, le Sakyong Mipam, ne lui parlait pas du tout. Il trouvait qu'on retournait à une religiosité qui ne lui parlait pas par rapport à la pratique. Donc, il avait pris beaucoup de recul par rapport au centre. Et je voulais qu'il continue à enseigner. Et là... c'était pas du tout, il voulait plus du tout. Et il m'a dit, alors c'est quand même très impressionnant, il m'a dit, je ne veux pas enseigner tant que je ne suis pas complètement stable, confiant, habitant complètement cette présence nue. Alors j'ai dit, oui, mais à ce moment-là, personne n'enseignera plus jamais, parce que qui, à part Tulku Urgyen, habite aussi pleinement? Mais il m'a dit, non, je... Alors j'ai eu l'idée, parce que je voulais absolument qu'il enseigne, je lui ai proposé... De passer des films de Shogam Trungpa et qu'il en parle après. Et je crois que c'était un des moments les plus impressionnants de ma vie parce que je voyais la vidéo de Trungpa, c'était vraiment passionnant. Et il en parlait après et il n'avait pas du tout vu la même chose que nous. Il ne voyait que l'intensité de transmission que faisait Shogam Trungpa. Et quand il le montrait de manière tellement herméneutique, ça sautait aux yeux. Et l'atmosphère tout entière de la pièce était baignée de cette qualité de présence chaleureuse, vivante, humaine, existentielle. Et ça a été, je pense que ça a été un des moments décisifs de ma vie. Et puis, l'année suivante, quand on a recommencé, il a exigé que je sois avec lui en train d'enseigner, ce que je trouvais absurde, mais c'était sans discussion. Et au fond, si j'enseigne aujourd'hui la méditation et que je me suis engagé, c'est vraiment parce que Francisco m'y a poussé. Et pour finir, je voulais raconter quelques-unes des expressions qu'il aimait beaucoup. Il disait par exemple qu'il nous disait tout, surtout ne pratiquez pas comme des grenouilles. Ce qui m'amuse beaucoup aujourd'hui, que le livre principal sur la méditation, c'est « Calme et attentif comme une grenouille », qui est le plus à l'opposé de ce que j'ai reçu de la pratique de la méditation et de ce que faisait Francisco. Alors c'était très très, il insistait beaucoup. Il y a des textes qui parlent de pas méditer comme une grenouille, mais il y insistait beaucoup. Et puis c'était une des choses qu'il nous disait, parce que les grenouilles sont là, mais elles sont calmes. Et il y a pas cette qualité irradiante de présence qui est la seule raison de pratiquer. Donc il nous invitait à que pas du tout ce qui est devenu aujourd'hui la méditation. Donc il y a un côté relire Francisco aujourd'hui, c'est encore, c'était très fort à l'époque, mais aujourd'hui, ça a une sorte d'incandescence encore plus grande, puisque plus personne ne comprend ce qu'est la méditation, qui est devenue une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Et
le développement de MBCR et MBSR et tout ça est devenu beaucoup plus une sorte de protocole et de technique qui est à milieu de l'expérience que nous pouvions faire. Donc là, il y a quelque chose qui s'est extrêmement fermé, parce que ce qui l'intéressait, lui, c'était, il était complètement libre sur la forme. Il enseignait la mutation, la forme avec laquelle il enseignait la mutation pouvait changer. Ce qui comptait, c'était cette vivacité d'expérience qu'il réussissait à nous faire vivre. Et une autre expression que je trouve très simple et très belle qu'il avait, c'était de parler du présent vivant. Et ça a l'air de rien, parce que aujourd'hui, tout le monde parle du moment présent, il faut être dans le moment présent, il faut être dans le moment présent. Et alors, jamais, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, parce que vous allez dans le moment présent de votre ennui, de votre enfermement. Non, c'était le présent vivant, avec cette conviction que si je rentre dans la pratique, si je rentre dans l'expérience, elle est d'une richesse inexorable. C'était ça. Il y avait chez Francisco une intensité de curiosité de ce que c'est la pratique et le présent, qui fait que le présent est vivant parce qu'il donne, il donne, il donne, et à mesure que vous pratiquez, ça donne, ça donne, ça donne. Et ce qui faisait une autre chose, alors là que je dois dire que j'ai mis beaucoup d'années à comprendre, qui m'a beaucoup, c'était difficile pour moi, alors c'était tellement simple pour lui, c'était de parler du feuilletage du moment présent. Le présent n'était pas du tout, il n'y a pas juste je suis présent ou je ne suis pas présent, mais il y a plein de couches. Il y a la présence sensible, la présence en tant qu'à une dimension émotionnelle, la présence où je suis là, mais après je peux être là de manière plus profonde, plus ample. Et donc, il nous invitait à explorer toutes ces couches de présence qui se nourrissent les unes les autres et qui donnent à l'expérience sa densité. Et de ce point de vue-là, j'y pense tous les jours, donc c'est très frappant de parler de Francisco, puisque j'en parle tout le temps au fond. Je ne cesse de parler de ce que j'ai appris dans toutes ces années intenses, mais c'était que la transmission de la méditation, c'est le contraire de ce qu'elle est de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, un protocole. On suit le protocole. On voit aujourd'hui les gens partout suivent le même protocole. Lui, c'était l'aventure. Chaque pratique, c'était l'aventure. On revenait par un autre point à cette simplicité originaire. Et ça, c'est aussi quelque chose que d'inouï, c'est plus on veut être simple, plus ça demande un travail intense. Et c'est ce qui est un paradoxe qu'on voit dans plein d'autres domaines, mais qui est un des grands paradoxes qui est au cœur, je trouve, de la transmission que j'ai reçue de Francisco et de cet amour tellement profond pour cette expérience tellement légère, tellement pleine d'humour, tellement ce que permet de découvrir la pratique de la méditation. Donc voilà ce que, très simplement, je voulais essayer de partager avec vous. Merci infiniment, Fabrice. C'est toujours très intense de t'écouter et merci pour ce partage vraiment d'avoir de nous rendre présents. Hein. Tu parlais de la présence vivante, c'est aussi le terme de Husserl, hein, la présence vivante, le présent vivant, c'est le feuilletage, c'est un peu ça aussi, je pense. Enfin, il y a vraiment des liens et de nous rendre présents finalement à travers ton témoignage de manière aussi intense, ce que Francisco a livré et a transmis, il continue à transmettre effectivement aussi. Merci beaucoup. On en reparlera donc vraisemblablement à nouveau l'année prochaine à Cerisy. Je me réjouis d'avance. Je vais donner donc du coup la parole à Alexis à présent, Alexis Lavis, qui est là. Je t'ai vu, Alexis, ben oui. Je sais que tu es là, voilà. Suis-je audible? Voilà, alors comme j'ai dit au début de la journée, je ne sais pas si tu étais déjà là, donc on ne présente pas les personnes qui parlent, sachant qu'elles se présentent à travers leur manière de se relier
à ce qui a été nourrissant pour chacune d'entre vous, pour chacun et chacune d'entre vous. J'ai bien compris. Donc, c'est à moi ? C'est à toi. OK. Eh bien, bonjour à tous. Même bientôt bonsoir pour moi, parce que je suis à Pékin et le soleil se couche. À la différence de, malheureusement, de beaucoup d'entre vous et des témoignages qui se sont succédés, moi, je n'ai pas connu Francisco Varela en tant que personne, physiquement, puisque j'avais à peine 10 ans lorsqu'est parue l'inscription corporelle de l'esprit, et qu'il est arrivé en tant que texte. Au fond, Francisco Varela, c'est un texte pour moi, un beau texte, ou un ensemble de textes, et qui ont joué un rôle important. Moi, j'étudie la philosophie, la phénoménologie et le bouddhisme, et j'ai fait sa connaissance à la suite d'un DEA consacré au bouddhisme, au scepticisme. C'est là que j'ai commencé à lire et à être un peu étonné par la hauteur à laquelle il portait le bouddhisme, parce que c'est ça, au fond, qui était très étonnant pour moi. Et puis ensuite, je connais bien Fabrice Midal, et donc il m'a parlé aussi de Francisco Varela en tant que personne, comme méditant. Et là, j'étais encore plus étonné parce que, à la différence de beaucoup de scholars, comme on dit en anglais, spécialistes du bouddhisme, qui n'ont aucun rapport à la pratique de la méditation et qui parlent de choses très, très, de façon très distanciée, d'ailleurs, ce que Francisco critiquait beaucoup. J'ai appris en croyant Fabrice évidemment que c'était un méditant hors pair. D'ailleurs, Mathieu Ricard l'a encore une fois confirmé. Il est mort. Vous savez que c'est dans le bouddhisme une manière, c'est la plus digne manière de mourir en méditant, et c'est très très exceptionnel qu'un occidental puisse mourir en méditant. Donc là, on a quand même affaire à quelqu'un d'incroyablement sérieux. À plein de niveaux. Et c'est pour ça que ce parcours-là m'a beaucoup frappé, tant au niveau théorique qu'en tant qu'exemple d'engagement. Qu'est-ce que c'est que s'engager? Même théoriquement, c'est s'engager aussi pratiquement pour découvrir un champ d'expérience. Et lorsque j'ai fait ma thèse sous la direction de Nathalie, qui était consacré à l'exploration d'un texte bouddhique en sanskrit, sa traduction, son commentaire, effectivement, avec cette mise en rapport avec la phénoménologie, mais aussi avec la systémique, dans, effectivement, sous le patronage de Francisco, j'ai dédié ma thèse à sa mémoire. J'ai trouvé que c'était un geste essentiel à faire, même si, dans le détail de ma thèse, évidemment, je n'étais pas consacré à Francisco Varela, mais elle était en un sens sous la protection de sa mémoire. Et juste, je voudrais vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est que garder mémoire quand on est encore jeune professeur comme moi du geste de Francisco? D'abord, ça a signifié pour moi travailler dans l'horizon d'un trajet. Et je crois que le trajet de Francisco Varela est pour quiconque s'intéresse au bouddhisme exemplaire. C'est-à-dire ce passage de la systémique à la phénoménologie, puis au bouddhisme, et sachant qu'au fond, peut-être, c'est le même qui est en jeu. Ce trajet-là, moi, et c'est celui qui me concerne absolument, je trouve même que c'est celui qui est le plus concernant, et le seul qui l'ait vu dans toute sa portée, qui ne l'ait pas seulement vu, c'est-à-dire pas seulement mentionné, mais travailler pour de vrai, parce que ce sérieux à l'œuvre dans la pratique de la méditation et l'exégèse des textes bouddhiques, évidemment, il a été aussi mis en œuvre dans l'étude des sous-systèmes biologiques, puis dans l'étude des sciences cognitives, puis dans l'étude des descriptions phénoménologiques, avec cette égalité de sérieux. Et donc, on sent bien, pour qu'il y ait cette constance, qu'il a bien vu un point, et que, comme disait Heidegger, un penseur n'a qu'une idée. Et je crois que Francisco a véritablement eu une sorte d'illumination autour d'une idée dont peut-être on ne parviendra jamais vraiment à la nommer, au fond, ce n'est peut-être pas utile qu'on la nomme, mais en tout cas, son parcours la découvre.
Et j'essaie, moi, pour ma part, de m'inscrire, non pas dans exactement ce même parcours, mais dans une sorte de fidélité, voilà, à cette ouverture de quelque chose qui relie la systémique, la phénoménologie et le bouddhisme. Alors, peut-être on peut essayer d'en dire quelques mots quand même. Je pourrais me baser sur juste une phrase toute bête, une question toute bête qui pose une manière un petit peu provocatrice dans l'inscription corporelle de l'esprit, qui est c'est très bien, voilà, on a bien vu depuis le XXe siècle et même depuis la dernière partie du XIXe, que au fond tout ce qu'on accordait comme type de fondement à la nature physique, à la nature vivante, à la nature psychique, tout ça s'est complètement effondré. Toutes les certitudes qu'on avait sur la solidité du système mathématique se sont elles-mêmes effondrées. Tout Einstein qui tenait à sa position de réalisme, en dépit du fait qu'il avait quand même travaillé sur les formulations de la physique quantique, il tenait quand même à l'idée que on avait bien affaire à quelque chose de solide. Même ça, ça s'est effondré. En un sens, Niels Bohr a eu raison. Et la chose essentielle, c'est d'avoir actualisé ça. Voilà. Francisco Varela assume entièrement, et vraiment entièrement, c'est-à-dire avec toute la force théorique qui a été la sienne, cette vérité qui est la nôtre maintenant, qui est celle du XXe siècle et du XXIe, le monde est sans fondement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument pas de fondement, mais il n'y a pas de fondement définitif. Les assises métaphysiques des représentations classiques du monde se sont absolument effondrées. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, la première partie de ce que fait Francisco, c'est penser. Penser pour de vrai. Et je pense, et tout son chemin est un approfondissement de cette intuition à travers effectivement son approche systémique, la complexité du monde, comment on pense la complexité, son approche phénoménologique, qui est au fond un autre rapport à la complexité, puisque le phénomène est naturellement quelque chose de complexe, interactionnel. Et alors, que vient faire ici le bouddhisme? Et il répond à la question, encore une fois, de manière extrêmement directe. Il dit, si l'on est sérieux, on doit assumer cet évidement, on pourrait dire, des fondations, et qui donne pourtant pour l'occasion à penser, mais comment on vit? C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, philosophiquement, scientifiquement, l'Occident a gagné une maturité spéculative très, très, très forte. On n'est plus des enfants, d'une certaine manière. On est sorti de l'atomisme, même du panthéisme, le gros tout ou le petit rien. Mais est-ce qu'on a réussi à développer une vie qui soit à la hauteur de cette pensée? En un sens, il y a quelque chose comme un écho à la question nietzschéenne qui se posait vraiment, qui disait, est-ce qu'on est à la hauteur de notre manière de notre science ou de notre manière de penser? Et évidemment, la Varela, avec lucidité, se rend compte que non. Et c'est là, d'une certaine manière, qu'intervient de façon très très forte le bouddhisme. Et il le place à un niveau de réponse très très élevé. C'est-à-dire que, oui, il se peut bien qu'il y ait dans le bouddhisme une réponse à la question « comment vivre sans fondement ?», sachant que, selon évidemment la connaissance qu'on a de la culture occidentale, car elle est quand même elle aussi très riche et plurielle, peut-être qu'en Occident, on n'a pas réellement su apporter cette question de l'existence. Et donc, on voit comment dans son œuvre se décline un sens de la vie qui s'approfondit. D'abord, la vie, effectivement, dans sa complexion biologique, qui est déjà une sorte de miracle en soi. Ensuite, la vie décrite, c'est-à-dire la vie du vécu, et là on comprend très bien la nécessité du recours à la phénoménologie, qui est la philosophie qui décrit la vie comme vécu et non pas seulement comme objet. Et enfin, il y a la vie comme on la vit, autrement dit, la vie telle qu'elle se déploie comme expérience vécue.
pas seulement comme expérience décrite, mais comme expérience vécue. Et c'est là, effectivement, qu'on trouve la référence au bouddhisme. Et j'insiste encore beaucoup sur ce point, Fabrice l'a mentionné, mais c'est absolument essentiel de comprendre que, à quel niveau Francisco Varela a porté son intérêt pour le bouddhisme. Et grâce à lui, on peut prendre le bouddhisme au sérieux. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres tentatives qui le dévaluent, soit dans un excès d'historicisme ou d'intellectualisme qui en font une sorte d'objet culturel étrange pour spécialistes, soit comme sorte de thérapeutique bon marché en guise de substitut des antidépresseurs ou des vacances. C'est très très important d'avoir bien vu que la portée philosophique, la portée scientifique, la portée cognitive du bouddhisme, c'est pas une blague le bouddhisme, c'est très très important. Et grâce à Francisco Varela, un chercheur comme moi est autorisé à prendre le bouddhisme au sérieux. Ça, c'est ma mémoire de Francisco, elle se situe aussi là. Je peux faire mon travail parce que Francisco l'a porté à ce degré de sérieux. Et encore une fois, ça n'est pas une blague. Si quelqu'un de absolument sérieux, rigoureux, avec une puissance spéculative, ne s'occupe pas préalablement à vous du domaine qui vous intéresse, vous êtes condamné d'une certaine manière à une forme d'illégitimité. On n'est pas l'auteur de sa propre légitimité. Donc, grâce à Francisco, je peux travailler sereinement, sans me demander toutes les cinq minutes si je suis un fou ou un charlatan. Et ça, c'est très, très, très important. J'ai été beaucoup, moi, donc pour revenir à cette approche systémique, vous savez que on en a parlé en début de session, c'est vraiment une conception, c'est vraiment encore peut-être une philosophie à venir, car il faudrait faire vraiment une ontologie très sérieuse de la systémique, créer vraiment une métaphysique de la systémique. Comme vous le savez, la systémique a d'abord été beaucoup un fait d'ingénieur, et donc malheureusement a souffert d'une philosophie un peu au rabais, même si chez HB et Wiener, par exemple, il y a des choses intéressantes, mais d'un point de vue philosophique, ça reste quand même assez pauvre. Or, c'est très riche, et je crois que Francisco le montre très bien, et dans son dialogue entre systémique et phénoménologie, on voit à quel point cette approche est sérieuse d'un point de vue vraiment ontologique. Or, effectivement, la référence entre les approches systémiques et le bouddhisme, évidemment, ça n'est pas Francisco qui les a inventées. Elles existaient déjà un petit peu. Par exemple, je crois que, oui, même si ma mémoire ne me trompe pas, dans Cybernetics, donc l'ouvrage inaugural de Wiener, même si la systémique ne se réduit pas à la cybernétique n'est qu'une théorie de la commande, mais dans Cybernetics, il y a déjà une petite mention du bouddhisme. Donc un livre des années 50, hop, le bouddhisme apparaît. On ne comprend pas bien pourquoi. Sincèrement, la référence est un peu bizarre. Elle arrive comme ça, mais elle est là. Évidemment, cette référence Wiener va la retravailler dans Cybernétique et Société, qui est un peu plus approfondie, en tout cas d'un point de vue philosophique. On retrouve cette référence au bouddhisme chez HB, pas formidablement travaillée, mais présente également. Évidemment, chez nos amis de l'école de Palo Alto, chez Bateson et chez Václavic, on la trouve aussi, un clin d'œil légèrement plus approfondi, et on est heureux de voir Varela participer à ces travaux de l'école de Palo Alto. Et là, il y a quelque chose de cette référence qui commence à s'existentialiser. On s'aperçoit que ça touche la vérité d'existence, même si la référence au bouddhisme reste encore anecdotique. Ce qu'ils aiment bien, les tenants de l'école de Palo Alto, ce sont les Kuan Zen, c'est-à-dire la capacité par le raisonnement que l'on a de détruire une certaine systématicité du raisonnement, et donc d'ouvrir des brèches de présence. Mais bon, si on s'était arrêté là, malheureusement, on aurait pu qualifier cette référence de, au fond, culturellement déterminée ou historiquement déterminée, puisque, vous savez, à cette époque, sur les campus américains,
voilà, certains textes bouddhiques apparaissaient, le bouddhisme était là, et c'était au fond une sorte d'effet de mode. Mais c'est grâce à Francisco que, il ne s'est pas contenté de faire une référence. Voilà. Francisco, il a mis les pieds dans le plat, et alors jusqu'à la taille, et il s'est engagé à présenter le bouddhisme, et au fond, l'inscription corporelle de l'esprit, et c'est le premier Abhidharma occidental, hein. C'est-à-dire la première exégèse occidentale, proprement occidentale du bouddhisme. Il fait un essai d'Abhidharma bouddhique. Il faut se rendre compte de ce que ça représente culturellement, ce pas-là, comme acclimatation. Et évidemment ensuite, parce qu'il sait que sa question, c'est la question du vivre, eh bien, il s'engage comme personne, là, je ne peux pas en dire grand-chose malheureusement, Fabrice en a parlé largement, il s'engage, et Mathieu également, il s'engage dans un chemin de méditation réel, et qui est la seule manière d'envisager aussi à la fois le bouddhisme comme objet d'étude, mais aussi pour répondre à sa question, comment vivre dans un monde sans fondement. Et quelle réponse ou quel apport apporte le bouddhisme en l'occurrence? Déjà, par effet de correspondance, il y a un effet de correspondance bluffant, vraiment bluffant, entre certaines approches phénoménologiques, certaines approches systémiques et le bouddhisme. Et Francisco l'a très très bien montré. L'entente de la vacuité, qui n'est pas une vacuité, mais plutôt une ouverture et donc une vacance, ce rapport avec la complexité interne du monde, la coaction des événements tant mentaux, psychiques, cérébraux que physiques, eh bien, le bouddhisme décrit, évidemment d'un point de vue strictement philosophique ou métaphysique, cette situation de l'homme au monde. Donc il y a déjà une correspondance, il y a une proposition de description d'état de conscience particulier, il y a un rapport très original à la conscience et même à un au-delà de la conscience qui n'est pas une inconscience. Et tout cela, Francisco le met en place, présente le bouddhisme à partir de ces problématiques qui sont les nôtres et qui sont pour nous les plus contemporaines. Donc ça, vous avez le premier effet de correspondance important, mais ensuite, vous avez effectivement l'ouverture d'un champ d'expérience réel, de ce que ça s'appelle exister pour un être humain. Et ça, c'est une proposition qu'il faut prendre incroyablement au sérieux. Il est possible, alors c'était la proposition de Francisco sur laquelle malheureusement moi je suis moins d'accord, mais n'étant pas scientifique comme lui, on comprendra pourquoi. Et Francisco voulait, comme il le disait, rétablir le dialogue entre la science et l'expérience humaine. Moi, je pense que le divorce entre la science et l'expérience humaine, il est constitutif de la science elle-même. Et vous avez déjà ça chez Platon dans le Phédon, c'est une vieille histoire. Donc, je ne suis pas certain ne sais pas ce qu'en aurait pensé Francisco, mais ne pense pas que l'idée de réconcilier la science avec l'expérience humaine soit si intéressante que ça. L'important, c'est surtout de réconcilier les êtres humains avec leur propre expérience. Et ça, c'est la deuxième chose qu'a vu Francisco, pas comme personne, puisqu'il n'est pas le seul à l'avoir vu, mais qu'il l'a vu et qu'il l'a pris entièrement au sérieux comme il savait le faire, c'est que notre époque est une époque d'incroyable dégradation de l'expérience humaine. L'expérience humaine a été totalement dévastée et dévaluée. Or, avec la pratique de la méditation, avec sa méthode, avec sa puissance d'explication associée à des problématiques contemporaines tout aussi puissantes, la phénoménologie et la systémique, eh bien, on donne droit, on prend au sérieux le champ de l'expérience humaine. C'est la chose la plus sérieuse qui soit. Et la vie de Francisco l'a montré, et de façon vraiment exemplaire. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas regardé le temps qui me restait, Nathalie. Je pense que tu es bien dans le... Et ben donc voilà, c'était ce que je pouvais dire sur la mémoire de Francisco, qui m'est chère. Merci.
Merci beaucoup, Alexis, pour voilà pour ce témoignage dans l'après-coup. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément facile de prendre la parole voilà dans un contexte où là tu es environné de gens qui ont connu Francisco et mais en même temps je pense que c'est très important de voilà de faire ressortir aussi de la filiation, l'héritage, comment les choses se transmettent, comment chacune peut se être nourrie, se réapproprier, inspirer. Et c'est comme ça que voilà une pensée reste vivante, justement, et bien de notre temps, pour notre temps, comme le titre de cette journée du colloque l'indique. Merci beaucoup, Alexis. Donc, du coup, on va maintenant, avant de la pause du repas, on garde notre petit décalage standard, mais ça va, on ne l'agrandit pas, donc c'est plutôt rassurant. Ok, we're okay. Yeah, okay, thank you. It's great. And oui, je pensais donc qu'on pouvait peut-être maintenant donner la parole à Raphaël. Oui, je suis là. Voilà, et oui. Donc, je vais te laisser partager donc. Ce qui est nécessaire ou pas, je ne sais pas. Oui, tout à fait. J'aurai un petit diaporama rapide à montrer. D'accord. Je ferai un partage d'écran. Je devrais être accompagnée normalement quand même de deux personnes importantes, c'est-à-dire Yvan Magrin-Chagnolo, donc, qui est co-organisateur de ce colloque et qui ne peut pas être là parce qu'il n'était pas bien aujourd'hui, et puis de Nico Dox, qui est artiste et qui sera là, on l'espère, pour le colloque de l'été prochain, de 2022. Et l'idée de ce petit intermezzo, c'était de donner une place dans cette belle journée à l'art, à la création artistique, puisque Yvan et Nico Dox sont tous les deux artistes, en plus d'être penseurs ou chercheurs, et que moi-même, j'ai une activité de chercheuse aussi, à côté de celle de commissaire d'exposition. Et donc, en fait, même s'ils ne sont pas présents, je n'entends pas du tout les remplacer, mais plutôt leur donner une place qu'ils ont par rapport à un projet que j'ai mené avec Nico Dox il y a maintenant 6 ans et auquel Yvan avait participé, ainsi que quelques personnes qui sont réunies aujourd'hui avec nous de diverses manières. Et donc, je vais faire un petit témoignage rapide de ce projet qui est un projet d'exposition qui a eu Francisco Varela vraiment pour son cœur quelque part. Donc juste pour me présenter très rapidement, tout comme Yvan et Nico, je n'ai pas connu directement Francisco à ma grande tristesse parce que quelque part il me manque. Je l'ai rencontré à travers ses écrits donc en 2001, je pense, au moment où il était en train de disparaître, et depuis je dirais que sa pensée ne m'a pas quittée. Et je suis dans une recherche que je suis en train d'aboutir aujourd'hui sous la forme d'une thèse qui porte sur l'événement en art, et l'événement pas du tout au sens de l'événement d'actualité ou de l'événement historique, hein, ni même de l'événement artistique sous la forme de la performance, mais plutôt de l'événement comme l'expérience de la présence ici et maintenant. C'est comme ça que je considère l'événement en art. Donc je travaille depuis de nombreuses années maintenant sur des œuvres qui se présentent comme des situations de présence, qui mettent le spectateur dans un certain état de présence et de conscience pré-réflexive. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ces situations amènent les spectateurs à avoir une expérience de soi qui les amène à justement éprouver ce présent vivant dont parlait Mathieu tout à l'heure, cette aventure, et au cœur de laquelle, je pense, il y a la créativité. Et ce qui m'intéresse, puisque donc la pensée de Francisco Varela traverse de part en part ce travail, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre quelle est cette créativité au cœur de ce que Varela appelait la shunyata, donc cette vacance qui ouvre à la possibilité du nouveau d'apparaître, pour le nouveau d'apparaître, pardon. Donc dans le cadre de cette recherche, et je ne vais pas parler du tout de cette thèse maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plus donc de parler d'un projet pratique. J'ai donc réalisé avec Nico une exposition, et là je vais donc faire un partage d'écran pour que vous puissiez avoir quelques images. Alors, pardon. Voilà.
de ce projet qui donc s'appelait, comme vous le voyez ici, la psyché de l'univers, hommage à Francesco Varela, donc, qui a eu lieu à Rennes, où je vis et j'enseigne, en 2015. Et c'est un projet donc, que j'ai mené de concert avec Nico Dox, qui était donc l'artiste que j'ai invité. J'ai réalisé ce projet dans le cadre d'un projet plus large de résidence de commissaire dans ce lieu qui s'appelle FACT, que j'ai appelé l'événement ou la plasticité des situations. Et donc, j'interrogeais la question de l'ici et maintenant, de la présence ici et maintenant du spectateur comme possibilité du changement au cœur des situations vécues, des situations incarnées. Donc, sur ce projet, comment est-ce qu'on l'a construit? C'était plutôt une exposition à vivre qui était tout entière tournée vers l'expérience, la question vraiment de l'expérience vécue, et qui amenait le public à la fois donc faire cette expérience de soi, donc l'expérience de l'expérience de soi, et aussi à pouvoir échanger à partir de cette expérience. Donc, elle était constituée de plusieurs choses. D'abord, on a réalisé avec Nico une archive quelque part vivante, en interrogeant, en sollicitant un certain nombre de personnes, dont certaines ici présentes, qui ont connu Varela, qui ont vécu avec lui, qui ont travaillé avec lui, et par exemple ses anciens doctorants. Et nous avons récolté un certain nombre de documents, donc dans une boîte d'archives que l'on voit ici à l'écran au milieu. Et donc voici la boîte d'archives qui a été réalisée par Nico et qui contenait un certain nombre de documents qu'on voit ici, donc le film, un des films de Franz Reichel sur Francesco Varela, des images réalisées par Michel Bitbol à Monte Grande lors d'un hommage rendu à Francesco Varela, des textes, des livres qui nous ont été confiés par Claire Petit-Mangin, The View from Within par exemple, puis l'édition 10 ans après de 10 Years from Viewing from Within, je crois, et puis un certain nombre de d'autres documents que nous avons réunis et qui étaient mis à la disposition des visiteurs en fait pour pouvoir engager des discussions ou alors dans le cadre d'ateliers collectifs, mais je vais y revenir. Et Nico Dox a également réalisé une série de 25 badges que l'on voit ici, que l'on pouvait prendre à la fois pour pouvoir lancer une discussion autour de ces badges et aussi pour pouvoir en emmener un pour le porter sur soi. Et ces badges, en fait, ils ont été réalisés aussi avec la collaboration de 25 personnes ayant connu Francesco Varela ou ayant vraiment un intérêt très fort pour sa pensée, pour sa vie, dont certaines personnes aussi aujourd'hui présentes, décidément. On les voit ici, ces badges, en fait, résultaient de la question posée par Nico Dox à ces personnes, de savoir qu'est-ce qui était pour eux la psyché de l'univers. Alors, j'explique juste rapidement d'où vient ce terme de la psyché de l'univers pour ceux qui ne le savent pas. Il y en a, je pense, qui le savent. C'est une expression que Varela lui-même a exprimée, apparemment, il en témoigne en tout cas dans un entretien vidéo qu'il a réalisé pour un colloque qui a lieu en 90 aux Pays-Bas, donc entretien réalisé par l'artiste Lorraine Wyers, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et il aurait, quand il est allé voir Umberto Maturana, alors tout jeune étudiant, vers 18-19 ans, quand Maturana lui a demandé ce qui l'intéressait vraiment et pourquoi il venait le voir, Varela rapporte qu'il aurait, que sa quête, en fait, c'était de comprendre la psyché de l'univers, the psyche of the universe. Donc, ce titre reprend cette idée de sa quête qui serait celle d'une origine de la conscience, en fait. Et donc ces badges, donc je peux vous en montrer certains rapidement pour pas trop prendre de temps, mais voilà, ça permet de savoir aussi comment les différentes personnes liées à ce projet ont eu envie de témoigner de la pensée de cette psyche of the universe, donc cette idée de communauté par Nico Dox par exemple, Michel Bitbol qui je vous laisse lire peut-être. Voilà, qui relie les contenus de connaissances à l'expérience et à la nécessité de vivre l'expérience en première personne. Nathalie Depraz, avec ce petit croquis de l'époque qu'on retrouve dans le livre « À l'épreuve de l'expérience », qu'elle a coécrit avec Varela et Pierre Vermerch.
Michel Duzer, qui sera là aussi cet après-midi avec cette phrase que lui aurait dite Varela un jour, si tu n'y arrives pas, laisse tomber. Donc c'est un conseil auquel on peut penser parfois quand on a besoin. Cette image de cet entretien dont je vous parlais par Lorraine Wyers, artiste néerlandaise, avec cette phrase dite par Varela dans cet entretien, c'est un entretien qu'on peut voir sur Internet. Je pourrais mettre le lien dans le fil de conversation si vous le souhaitez, parce qu'il est très intéressant. Catherine Malabou, qu'on avait sollicité aussi, qui n'a jamais vraiment travaillé sur la pensée de Varela, mais qui s'y intéresse, parce que j'ai eu un dialogue avec elle par rapport à ça, et donc qui a aussi répondu à la question. Donc la psyché de l'univers correspond à un arbre synaptique. Et puis cette proposition que j'ai faite de reprendre un poème de Ami et Francesco autour de cette présence, ce présent vivant qui passe par la respiration. Voilà pour les badges. Donc on avait la possibilité dans ce projet de regarder les archives, de les consulter, d'échanger aussi lors de conversations. On pouvait utiliser ce tableau derrière pour poser des idées. Et puis j'ai réalisé un certain nombre d'ateliers avec des étudiants, par exemple, on peut voir ici, où je les invitais à un certain nombre de pratiques autour de la perception de l'expérience du moment présent, l'expérience de soi. Donc par des méditations, mais beaucoup plus, enfin, avec des variantes évidemment, hein, mais vraiment une expérience incarnée. Donc, voilà quelques images, je passe assez vite. Avec des primo-arrivants qui apprenaient le français, puisque cette exposition avait lieu dans un petit centre d'art qui est couplé avec un centre culturel qui donne des cours de français. Avec donc ces primo-arrivants avec lesquels on a discuté de la notion très polysémique d'expérience, on a regardé comment ça s'écrivait dans les différentes langues qu'ils parlaient. Des enfants, ici également, sur cette question de l'expérience de soi, un petit peu plus difficile parce que c'est une abstraction. Et puis des personnes âgées qui aussi étaient intéressées à cette expérience. Et je dirais que le cœur de cette exposition, c'était ce laboratoire portable. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, Francesco Varela, dont le cœur du travail n'est pas l'art ou la création, a participé en 1999 à une exposition qui s'appelait Laboratorium et qui était tournée autour de la relation ou des relations complexes entre le laboratoire du scientifique et l'atelier de l'artiste. Et donc avec une invitation faite à des artistes et à des scientifiques. Et Varela avait eu cette proposition extrêmement radicale à l'époque de proposer comme laboratoire un coussin de méditation et un tatami. Donc on voit ici dans l'image, c'est vraiment l'image originale qui a été prise par Nicodox en 1999. Nicodox qui lui-même participait à cette exposition à Anvers. Il n'a à l'époque pas rencontré Varela, mais il a vu sa proposition, il s'est assis sur le coussin et de là a commencé son intérêt vraiment très fort pour Varela. Et donc nous avons souhaité à la fois projeter cette image de l'installation originale de 99 et réactiver ce dispositif de laboratoire portable qui était une invitation de Francesco à faire l'expérience de l'expérience vécue, donc l'expérience en première personne de sa propre expérience. Je vais revenir dessus parce que je voudrais partager avec vous ce texte qui est un texte vraiment très intéressant qui m'a été confié par Nicodox comme une de ses archives, qui est un texte écrit par Francesco Varela où il décrit donc ce laboratoire portable et où il en donne le mode d'emploi. Avant cela, je voudrais juste terminer par le dernier aspect de cette exposition qui a été un moment fort en fait, qui était une journée traversée avec différentes personnes qui donc avaient confié des archives pour notre archive, dont Ami, dont Yvan également qui était présent. D'autres comme Michel Bitbol n'ont pas pu être présents, voilà, c'était impossible pour eux, comme également Michel Duzer hein, qui sera là cet après-midi avec nous, et Michel Le Van Kuyen qui était présent à travers un entretien vidéo qu'avait réalisé Yvan Magrin
donc un peu comme pour Mathieu Ricard tout à l'heure, et puis également Lorin Wyers et Egon Hanspingel, qui a été le chef d'orchestre d'une journée de cuisine, puisque cette journée entrecoupait des moments de partage de ses archives, d'échanges, il y avait un public qui était présent, et des moments où on faisait la cuisine et où on mangeait, parce que c'était très important pour Nico Dox d'avoir aussi une dimension incarnée de cette expérience-là à travers la nourriture. Voilà. Donc, on a pu tous cuisiner ensemble avec les conseils de Egon Hanspingel, qu'on voit ici. Et ici, on voit donc Nico Dox de dos. Donc, nous voilà à l'œuvre en train de faire la cuisine. On voit également ici Yvan et différentes personnes. Et donc, ici, par exemple, Ami a témoigné, donc je n'ai plus le détail de ce qui a été dit à l'époque, mais de certains moments, de certaines expériences. Michel Duzer également, par rapport à son approche de l'éducation, complètement imprégnée par la théorie de l'énaction. Donc c'était entrecoupé de moments où l'on dégustait ce qu'on avait cuisiné. Et puis ici on voit Lorin Wyers, sur laquelle je veux juste dire que c'est quelqu'un qui a été très important, je pense, dans une certaine tentative de faire se rejoindre spiritualité, science et art, hein, puisqu'elle était assez proche du Dalai Lama, assez proche de grands artistes qui ont pratiquait une certaine forme de spiritualité, et elle avait organisé un très grand colloque en 90, Art meets Science and Spirituality in a Changing Economy, qui rassemblait de grandes personnalités, dont Francesco et beaucoup, beaucoup d'autres scientifiques et artistes. Et donc, elle a témoigné à cette journée Sticky Recipe qu'on a faite à Rennes, de ses relations avec Barilla, d'un entretien qu'elle a eu avec lui et de différents moments. Voilà, il y avait également Franz Reichel qui est venu pour témoigner de son film. Et la toute dernière chose que je voulais quand même vous dire, c'est avant de vous lire le texte, si j'ai encore le temps, c'est cette petite phrase que Nico Dox avait écrite, complètement inspirée par Varela, et qui exprime bien cette idée de brèche qui était importante pour Varela et qui me paraît être le lieu de la créativité inhérente à tout être humain, et c'est ça qui m'intéresse autant. Donc, l'inspiration vient à nous dans nos instants de discontinuité, quand nous lâchons prise pour laisser advenir les choses. Il faut alors en saisir l'occasion. Donc on retrouve aussi l'époque quelque part, hein. Improviser et se laisser toucher, on la sent, elle nous colle à la peau. Sa créativité est dans le moment présent. Et cette affiche était donc dans l'espace public à plusieurs endroits à Rennes. Voilà, est-ce que j'ai encore le temps de lire ce texte que j'aimerais bien partager avec vous? Et je voudrais également, pendant que je lis ce texte, si c'est possible, vous montrer un petit objet que Nico Dox a fait pour le colloque, et qu'il avait... prévu, c'est un petit tampon avec une petite expression, une petite formule. J'espère qu'on peut voir ce qui est écrit. Je vais essayer d'orienter peut-être qu'on puisse voir. C'est pas évident. Ouais, c'est pas très. Est-ce que vous arrivez à lire? Ever Varela, very Varela. J'ai l'impression que c'est à l'envers. Je vous le montre. Je ne vois pas, en fait, mais... Vous ne voyez pas. Okay. Ah, il faut que j'enlève mon partage d'écran. Peut-être ce sera mieux. Alors, c'est très difficile de le voir. Bon, je suis désolée. Donc, c'est pas évident d'arriver à lire. En tout cas, l'idée pour Nico Dox, c'est de faire exister cette phrase « Ever Varela, very Varela » dans le colloque, dans différents supports, qu'on pourrait trouver, que ce soit des feuilles d'arbres, des feuilles de papier, des éléments qui traînent, des mains, des bouts de peau, pour pouvoir vivre avec cette espèce de dommage très simple. Est-ce que j'ai le temps de lire le texte ou c'est trop court? Oui, ok. Donc, je vais vous le lire comme ça. Donc, le laboratoire portable, Francesco Varela. Topographie. La création d'une discipline de recherche est indissociable de l'invention d'un lieu topographique. Un laboratoire qui constitue le point d'ancrage de toute une série de procédures et de gestes. Les méthodes,
les expériences. Une fois que ces deux aspects, le lieu, les actes, sont articulés dans leur spécificité, un nouveau champ de savoir peut apparaître. Ainsi, dans le monde occidental, le dernier en date est le champ de la psychologie expérimentale, inventé à l'orée du XXe siècle. Inversons maintenant cette définition et orientons-la, en quelque sorte, vers notre intériorité. Les êtres humains, dans leur existence incarnée, située, constituent de fait un lieu topographique, le corps, le soi, vers lequel des procédures et des gestes peuvent être ramenés pour explorer directement l'expérience humaine, la quête. Comme dans les autres laboratoires, les procédures employées donnent forme et sens à ce qui peut ou doit se manifester. Il y a un deuxième paragraphe intitulé « Gestes ». Dans les traditions de la sagesse, notamment le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme, cet auto-laboratoire portable est le lieu de la découverte et de la transformation humaine. Découverte et transformation ont été cultivées et affinées par le bouddhisme durant des siècles de pratique de la méditation assise, shamatha vipassana. C'est un auto-laboratoire également dans le sens où la pratique par le sujet change et transforme ce qu'il croit être le soi, comme si l'espace du laboratoire devenait une perspective mouvante. De lointains échos à un tel laboratoire portable, très largement distribué et utilisé, ont résonné par trois fois en Europe, au début du XXe siècle. Tout d'abord, Freud en a proposé une forme avec l'invention de la psychanalyse. Ensuite, c'est la science qui a introduit des laboratoires portables par la voie de l'introspectionnisme, école de Würzburg, considérée alors comme la principale manière de comprendre l'esprit. En Occident, cependant, cette voie n'a pas été suivie, écartée par le développement de la psychologie expérimentale avec ses laboratoires fixes. Enfin, en philosophie, c'est Husserl qui a introduit la nouvelle donne de la phénoménologie basée sur une pratique réductionniste qui explore la conscience et sa constitution. Un troisième petit paragraphe. À vous de jouer. Devenez le laboratoire portable. Restez simplement immobile. Prenez place sur le coussin qui est devant vous. Ne faites rien. Détendez votre posture et votre attitude et observez avec un toucher très léger tout ce qui vient à votre conscience. C'est l'expérience. Notez les manifestations de l'esprit comme si elles étaient des informations. Répétez aussi souvent que possible ce geste de pleine présence. Désormais, vous avez votre propre laboratoire portable que vous pouvez emporter partout où vous allez. Gardez une trace de vos découvertes. Voilà pour le texte. Je vais mettre dans le fil de la discussion le lien vers le WordPress que j'avais réalisé dans le cadre de ce projet où on peut retrouver les informations et également le lien vers une page où on peut, si vous le souhaitez, acheter la collection de 25 badges. C'est vraiment pas très cher, mais peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. Et voilà, et je vous souhaite un très bon appétit. Et merci beaucoup, Nathalie et Ami. Merci beaucoup, Raphaël. C'était vraiment très... moi, je n'ai pas pu venir en 2015, mais je le regrette encore plus maintenant, rétrospectivement. Je me réjouis vraiment de ce que nous allons pouvoir vivre ensemble aussi l'année prochaine, en août, à Cerisy, de ce fait. C'est vraiment l'avant-goût, hein, comme on disait pour cette journée, ce que tu nous as présenté. Ben, manifeste vraiment à plein cet avant-goût, ce qu'on va goûter en 2022. Ouais. Merci beaucoup, merci. Avec Yvan et Nico. Oui, avec Yvan et Nico, dont on espère leur présence l'année prochaine, cette fois-ci. Amy, peut-être tu dire quelque chose également. Je voulais simplement dire que c'était une sublime souvenir de ce journée. Raphaël, merci beaucoup. Et ça, on ne le voit pas trop, mais ça a duré toute la journée. Donc, le temps qu'on a passé ensemble, c'était extraordinairement important à cuisiner ensemble, à parler, puis à manger ce qu'on avait cuisiné, recommencer à couper les carottes. Et on a fait des plats sublimes aussi.
ensemble. Donc, c'était une journée, vraiment une expérience de présence à tout moment. Donc, j'ai hâte de revivre autre chose en 22. Merci beaucoup pour cette présentation très touchante. Merci. J'espère qu'on pourra cuisiner ensemble à Cerisy. Il faudra aménager peut-être. Je ne sais pas si Edith est là, si elle nous écoute. Oui. Ça serait bien. Bon, on va cuisiner maintenant, Nathalie, le déjeuner. Voilà, c'est ça. Je propose un partage d'écran culinaire. du coup, on reprend comme prévu à 14h10. On a un petit quart d'heure de décalage chronique, on va dire. donc, on se donne une heure dix. Je vais laisser mon ordinateur ouvert je ne vais pas couper la connexion. Voilà, on coupe l'écran. Enfin, comme vous voulez, chacun va à ses occupations pendant le temps de pause. Et merci encore pour cette matinée déjà incroyable. Pleine de surprises, comme tu disais, Amy, en annonçant à certains la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Mm-hmm.